pense qu'on fait quand même une bonne entame de match, même si elle est inoffensive, dans la volonté de jouer, de presser. Et la première mi-temps, on a manqué de justesse dans nos mouvements offensifs pour se créer vraiment des vraies situations de but, parce qu'on a eu quelques occasions, mais comme je disais à Pascal, je pouvais jouer dans les buts de Clermont aujourd'hui. Je n'aurais pas été trop embêté. Ouais, peut-être, ouais. Puis elle n'a pas dû être difficile à arrêter. Mal terminé, mal amorcé aussi. On était plus, d'habitude, on a des mouvements plus intéressants que ça. Au moins, on crée du danger dans la surface adverse, alors que là, on a tiré de loin, on a centré de très loin. Donc, un régal pour une défense inédite du côté de Clermont. Est-ce qu'il y a eu de la fatigue aussi après ce match de coupe ? Si vous êtes fatigué au bout de 20 minutes de jeu, changez de métier. Moi, je pense pas que. Qui a eu de la fatigue. En plus, on a fait rentrer nos 5 remplaçants, qui ont été à l'image de l'équipe, très solidaire, à pas être très bon non plus. Donc, en général, on est très solidaire dans la médiocrité. Donc, je pense qu'il faut balayer le côté physique, parce qu'on avait les moyens. C'était pas un match avec un rythme effréné non plus. Donc, pour moi, c'est pas à ce niveau-là. C'est le match piège par excellence, c'est-à-dire que dans un sens plutôt où vous n'avez pas vraiment trouvé la faille dans cette défense resserrée de Clermont, et petit à petit finalement ils ont pris confiance et eux qui sont... Oui, puis eux, c'est une équipe qui a de la qualité, donc on savait qu'ils étaient capables si on les laissait jouer ce qu'on a plus fait en deuxième mi-temps. Après on a eu beaucoup de pertes de balles inutiles, faciles, ce qui a montré qu'on avait un niveau technique quand même très en dessous de ce qu'on fait habituellement. Donc ça, c'est beaucoup de handicaps qui s'accumulent pour faire un match extrêmement médiocre. La déception, c'est peut-être aussi que finalement le banc ne vous a pas amené le rythme nécessaire peut-être pour faire... Oui, je vous dis, on est solidaires. Ceux qui ont démarré n'ont pas été bons, ceux qui sont rentrés ont été solidaires de leurs camarades et se sont montrés pas très bons non plus. Si on le remet un peu en perspective, c'est dommage parce que vous avez eu une occasion de rapprocher du top 10, là il faut peut-être plus regarder derrière. Exactement. Meilleure équipe d'Europe, etc. Il faut arrêter de dire que Toulouse est une très bonne équipe. C'est une équipe qui va jouer la relégation, qui est promue cette saison. Donc faut vite revenir les pieds sur terre et puis gagner les matchs. L'ambition, ça se voit surtout sur le terrain. Et là, on a montré peu. Vite revenir les pieds sur terre, pensez qu'il y avait un... Je me pose la question. Hein. On écoute tout le monde. Même quand on perd contre Marseille, c'est formidable. Là, on a fait quand même deux matchs très faibles à Reims et contre Clermont. Je mets la petite parenthèse de la Coupe, mais ce n'est pas la même compétition. Donc, la réalité, c'est ça. Hein. La réalité du moment. À nous de faire tout ce qu'il faut pour que ça évolue et qu'on reprenne une marche positive.